Non mais d'accord, mais au moins vous arrêtez de m'ignorer et vous arrêtez de faire ça. Non mais ça c'était une connerie. Bonjour, c'est quoi encore? C'est le matin, vous faites quoi? Eh bien rien à faire, je voudrais simplement que là, vous accepteriez. Là on est sur un sieste public. Alors, oui, si et vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de faire de skateboard sur l'espace public. Je n'ai pas envie de vous parler, je vous. Vous avez une amende de 68 euros si vous restez là. D'accord. D'accord. Eh bien écoutez, appelez vous là, appelez la police, elle va venir directement. Ce que je vous demande. J'ai pas envie de vous parler. Très bien, et ben moi si j'ai envie. Et alors dans ces cas-là, si je m'attends, c'est moi qui vais appeler la police. Très bien, continuez comme ça. Très bien, madame. Est-ce que vous pourriez vous décaler, s'il vous plaît? Arrêtez de jouer les coups. En fait, le problème, c'est que si vous auriez été gentil dès le début, j'aurais été gentil sur vous. J'ai été gentil dès le début. Oh, très gentil, vous venez, vous prenez ma caméra. Oh oui. Alors, lui, il fait quoi exactement? Donc, c'est pas à vous que je parle, c'est à lui. D'accord? C'est lui qui m'ignore, c'est à lui que je parle. Vous, vous menacez. Non, non, alors donc, vous me menacez. Je vous menace pas, je vous explique ce qui est. Oui, alors, vous êtes sur ma public, je n'ai pas envie de vous parler, donc vous pouvez appeler la police, elle va mettre une amende, et c'est réglé. Je paierai l'amende et je reviendrai. Il n'y a aucun souci, madame. Et vous êtes débile, en fait. Bah non, si vous, j'ai pas envie de vous parler. Là, non, j'ai pas envie de parler. Mais qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Vous êtes stupide? D'accord, allez. Destruction de matériel à la rigueur, vous êtes juriste? Si vous le touchez, c'est moi qui appelle la police pour agresser. Mais je l'ai touché. Mais pour agresser, je vous ai pas touché. Non, j'ai touché à votre canne. Vous arrachez le matériel comme ça, vous pouvez le toucher. Je l'ai simplement baissé. Ouais, c'est ça, allez. Hop, t'as déjà empêché. Mais bon, c'est dommage, je suis dessus. C'est couillon quand même. C'est couillon. Bah oui. Bonjour. J'irai tellement, madame. J'en ai marre, en fait. J'en peux plus, c'est tout. Mais faites gaffe! Regardez un petit peu, non, c'est dangereux ce que vous faites! Pourquoi vous faites ça? C'est dangereux! Parce vous pouvez dire gaffe s'il vous plaît, non? Je suis dans mon droit, non? Bah bien sûr, c'est dans mon droit! Alors, je vous en prie, allez-y! D'accord! Bah pardon, je vais donner. Vous regardez pas où vous allez, donc c'est vous qui êtes dangereux! Est-ce que vous êtes fait mal? Est-ce que vous voulez que je vous offre du désinfectant? Arrête! J'ai le droit d'appeler les flics pour agression! Vous êtes hyper dangereux, c'est bien. Vous êtes pas j'espère que ça enregistre. J'espère que tu filmes pas, toi. Pourquoi? Donc, est-ce que tu as ignoré ces demoiselles? Non, et quand je vous ai dit. Il est dans votre droit, il est dans votre droit de pas ne vous parler, il ne vous connaît pas. Et alors, quand je m'adresse à vous, c'est la moindre des choses. En venant nous agresser? Bah, bien sûr que vous venez nous agresser. Bon courage. Merci, monsieur. Allez-y. Prévenez les flics si vraiment c'est un problème et on verra qui a raison effectivement. Moi ça fait des années que je fais des signalements pour pouvoir arrêter d'avoir des personnes qui viennent sous mes fenêtres. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça, c'est nul. Vraiment, excusez-moi, je peux vous serrer la main? Je vous demande pardon, madame. À vous aussi, excusez-moi, j'ai été vraiment à chier. Moi aussi, désolé. Je suis extrêmement déçu, madame. Oui, bah moi aussi, si vous saviez combien je me déçois, c'est insupportable, ça fait... Ça fait 10 ans que j'habite ici et régulièrement on a des personnes qui viennent sous les fenêtres, c'est même pas vous les pires en plus, on a déjà eu des... Mon mari s'est déjà fait casser la gueule à deux reprises parce qu'il y a des gens plus âgés que vous qui sont peut-être un tout petit peu plus nombreux et un tout petit peu moins intelligents. Qui se croient dans leurs droits, etc. Chaque fois qu'on prévient les flics, ils viennent et effectivement, il y a des amendes qui sont posées. Mais je vous avoue que quand moi je suis toute seule et que j'ai mes gosses à côté qui soit font la sieste, soit essayent de jouer ou ce genre de trucs, qu'on peut plus dormir, qu'on peut plus simplement avoir une après-midi tranquille, il y a un moment où effectivement on n'en peut plus. D'accord. D'après de ce qui s'est passé, j'aurais pas effectivement dû réagir de cette façon. Mais et je vous ai pas fait mal quand on s'est rentré dedans? Je suis entraîneur de gym, si vous saviez le nombre de baignes que je peux me prendre. Donc d'accord. Ça c'est pas grave, c'est moi, voilà. Je suis vraiment désolée. Fais juste m'expliquer parce que je vous ai jamais vu, je sais pas qui vous êtes. Ouais. Et moi et vous je voyez, ne sais pas. Je réagis complètement de façon démesurée alors que... C'est pas grave. Voilà. Désolée. D'accord, parce que je vous ai jamais vu donc je pouvais pas, je sais vous pas vous qui vous êtes. Vous vous appelez comment? Pierre. Marina. Enchantée. Et... Alix. Alix, enchantée. Alix. Désolée vraiment de ce spectacle absolument ignoble. D'accord. C'est pas grave. Bah écoute, on y va et bon courage. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir madame.